J'enregistre sur ma page pro. Donc, pour cette journée de l'Avent, cette dernière journée de l'Avent, je me suis déguisée, donc je vais me mettre en direct. Je vous demanderai de bien vouloir patienter quelques instants et on va aller... Je vous avais parlé d'un article, donc peut-être que je le ferai quand même pour le premier de l'an, car je voulais vous parler d'un article pour pouvoir passer des moments en famille et avec des amis super agréables. Et puis, l'énergie m'a plutôt orientée vers les cinq étapes de la création. Car en fait, quand on se souvient que nous avons été enfants, on nous demandait toujours d'écrire des lettres au Père Noël. Enfin, moi, j'ai vécu ça. Et on y croit toujours au Père Noël. Donc, qu'est-ce qui nous empêcherait de pouvoir faire nos demandes? Et qu'est-ce qui nous... comme on le faisait quand on était petit au Père Noël. Et puis aussi, de faire nos demandes sans attendre que ce soit la période de Noël. Et c'est vraiment devenir être acteur, leader de sa vie, être dans la conscience des possibilités. Et donc, je vais te donner ce que tu connais peut-être déjà, si tu connais les outils d'accès à la conscience, d'access consciousness. Donc, je me présente quand même, je me représente. Je suis Marie-Claire Brilac, facilitatrice certifiée access consciousness, coach pro de vie, hypnothérapeute. Et ça fait donc depuis le 1er décembre que je fais ce calendrier de l'Avent, ce premier calendrier de l'Avent de la conscience. Et ça me fait drôlement plaisir et je vois à quel point c'est un challenge pour moi d'être non seulement dans l'accueil, le recevoir de toutes ces personnes à qui je diffuse ces enregistrements. Ça peut être sur ma chaîne YouTube, ça peut être sur un groupe qui est privé où il y a des facilitateurs, BARS, Process Core, même facilitateurs certifiés peut-être. Je n'ai plus en mémoire exactement leur parcours, et des praticiens installés ou des praticiens BARS, Access BAR, installés en cabinet ou pas. Et est-ce qu'ils utilisent, est-ce que d'autres utilisent ou pas encore les outils? En tout cas, c'était une période pour moi très importante de reconnexion avec cet ensemble de personnes. Donc, j'ai fait depuis 2015 des facilitations en classe de à peu près 300 personnes environ. Donc, c'est rien, c'est beaucoup et en même temps, c'est rien sur 5 ans. Et puis, tout est relatif. Et en tout cas, c'est beaucoup en termes de rencontres, en termes d'événements énergétiques fabuleux. Je me souviens encore, ce qui me revient là maintenant, de cette dame, cette femme qui se reconnaîtra si elle entend cet enregistrement, qui me disait, on me témoignait le lendemain et je n'en ai pas fait, je ne sais même pas si c'est sur mon site internet d'ailleurs, qui me disait le lendemain, je ne t'en ai pas parlé, je n'en ai pas parlé, je n'en parle plus, mais j'ai une certaine phobie des chiens. Et dès le lendemain, après la classe Access Bar, j'ai croisé un chien et je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que je n'avais plus de réaction, je n'avais plus d'appréhension, d'inquiétude ni quoi que ce soit. Et voilà, c'est la magie des outils d'accès à la conscience, de libération de la mémoire cellulaire qu'on apprend dans les classes. Et moi, j'ai vraiment cette gratitude de pouvoir faciliter cette classe fondation aussi qui est après la classe BAR de 4 jours. Et notamment, je vous le dis, il y en a une le 28, du 28 au 31. J'ai ouvert cette classe
autant en présentiel qu'en ligne il y a plus d'un mois maintenant. Et là, elle demande à être en ligne. Et donc, elle est ouverte en ligne. Il n'y a pas de limite pour le nombre de personnes qui peuvent y participer. C'est vraiment une énergie qui m'a conduite à carrément, j'en bafouille ou j'en crache. Vraiment, j'ai failli effectivement dire un autre mot qui m'a fait craquer, quoi, qui m'a fait complètement craquer de pouvoir être dans l'énergie, la conscience pour passer cette année de 2020 à 2021. Et quand j'ai créé ça, mais vraiment, je l'ai créé en suivant l'énergie. Il n'y a vraiment rien qui se passe derrière. Il n'y a aucun calcul, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune stratégie. C'est vraiment ça qui est bien, qui est léger, qui apporte du mieux-être. J'évite le mot bien de mon vocabulaire parce que si je dis bien, c'est qu'il y a un mal. Alors, ce n'est pas que je veux ignorer ce mal. C'est pas que. Alors, je suis. Maintenant, sur ma page Facebook, c'est un peu long. Hein. On voit qu'il y a du monde. Je vais mettre le titre qui me demande obligatoirement. Voilà. Là, ça va aller. Ok. Donc, tu auras sur la page vraisemblablement la totalité de l'enregistrement. Je vais mettre quand même la caméra, donc ça c'est bon. Ça, tu vis bien la caméra. Et maintenant, est-ce que. Voilà. C'est vraiment un peu plus long que d'habitude. Écoute, si ça ne rentre pas, si ça ne le fait pas, je vais rester sur l'enregistrement. Je vais passer ça sur la chaîne YouTube et puis je diffuserai sur Facebook parce que apparemment, alors, voilà. Il te demande une explication. Donc, en fait, c'est pour ça. Et là, donc, si c'est un petit peu trop long, je vais peut-être annuler ça et rester sur un Zoom non diffusé. Voir si sur YouTube, ça le fait. En tout cas, il y a beaucoup de monde, hein, vraisemblablement, sur les ordinateurs. Alors, moi-même, toujours un peu au dernier moment pour ce genre de choses. Les courses m'ont mis fortement parce qu'il y a beaucoup de monde, donc je cherche toujours des horaires où je capte moins en fait tout ce qu'il y a en énergie ambiante. Et même dans ces horaires-là, il y a énormément de monde, beaucoup de monde sur la route aussi, beaucoup d'attention, ça me demande énormément d'attention, beaucoup de vigilance. Je peux dire d'ailleurs que je remercie toutes les bonnes étoiles qui m'entourent, toutes mes équipes visibles ou invisibles, car j'ai vraiment évité deux accrochages plus ou moins importants. Une avec une superbe Mercedes, waouh, une ancienne Mercedes. Ça m'aurait fait mal au cœur pour elle. Et puis bon, moi, ça m'aurait vraiment pris beaucoup de temps à faire mes constats, etc. Et un autre accrochage avec une camionnette qui vraiment a reculé au moment où il n'y avait pas ces feux allumés, au moment où je passais. Et j'ai eu le temps de passer, alors que ma voiture est assez longue, et quand même longue. Hein, et donc, elle doit faire, je ne sais pas en fait combien elle fait, mais elle doit être 6,80 au moins. Facile, elle est longue et je n'ai pas du tout été, la voiture n'a pas du tout été touchée.
Donc, vraiment, j'ai remercié tout ça et j'ai demandé à comment cela devient un petit mieux que ça et quoi d'autre est possible encore pour recevoir encore plus de ces énergies de vie, de bonheur, de joie, de gratitude et de richesse, d'abondance. Ah, et ça m'a fait un bien fou. Voilà. Donc, écoutez, je vais revenir là, comme ça. Ça ne va pas être une diffusion. Ça ne passe pas. Vraiment, ça ne passe pas. Donc, je vais revenir en arrière. Arrêtez. Voilà. Ah, bah oui, bah, c'est normal. Parce que je n'y suis pas et il n'arrive pas à s'y mettre. Donc, en direct sur YouTube, on va essayer. Mais là, c'est encore un petit peu plus. Je ne l'ai jamais fait. Donc, je trouve que. Voilà, allez en direct. Ah, si, c'est vraiment. Ok. Mais on fera des réunions sur YouTube. Je vais arrêter parce qu'on fera des réunions sur YouTube. Là, je vais passer. Voilà, je vais arrêter. Voilà, on va faire. Voilà, arrêter la diffusion. Donc, je vais faire comme ça. Je vais la passer donc rapidement en diffusion après. Enfin, rapidement, oui, c'est très facile de le faire en diffusion. Donc, d'abord, joyeux Noël, super Noël. Je te souhaite et je vous souhaite d'être entouré, et si ce n'est pas le cas, d'être en super morale, en forme. Et si ce n'est pas le cas encore, peut-être que ce que je vais te dire, ce que je vais t'écrire, va te lire, va te soulager. Et j'en serais ravie, car mon plus grand plaisir, c'est de transformer vraiment la vie des gens et qui le demandent, hein, la vie des gens qui le demandent. Alors, pour faire une petite aparté aussi, j'ai, à titre personnel, aussi dans mon entourage, des personnes qui souffrent, des personnes vieillissantes qui souffrent, et j'ai plaisir à aller prendre de leurs nouvelles, à les rencontrer. Et je peux pas expliquer comment, là ici en direct, je peux pas expliquer comment j'utilise les outils d'accès à la conscience. Je fais un clin d'œil parce que ceux qui sont dedans, qui connaissent les outils, savent comment ça se passe. En tout cas, que ça soit à distance ou que ça soit en face à face, je nettoie. Je déblaye, je nettoie, je fais du traitement énergétique pour que ça soit plus facile, plus apaisant. Par contre, il y a beaucoup de monde qui passe, puisque ce sont des gens qui sont en aide à domicile, enfin qui reçoivent beaucoup d'aide à domicile. Et je suis en train d'inscrire tous ces passages pour que ça soit aussi agréable pour eux, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été habitués à recevoir d'autres personnes que des gens de la famille, des amis, et jamais des personnes en aide à domicile, des gens dits, entre guillemets, étrangers. Donc, c'est un peu douloureux pour eux. Et donc, je vois à quel point ça les apaise, et surtout, on n'aurait jamais imaginé, cru, que ces personnes-là puissent, enfin, une entre autres, puissent passer une nuit seule. Ça marche, ça fonctionne. Donc, je me remercie d'avoir choisi ces outils. Je retourne à l'expéditeur toutes les pensées, toutes les émotions, tous les jugements qui peuvent être perçus créés lorsque vous écouterez le replay. En tout cas, je perçois, mon corps me dit que j'ai raison. Mon corps me dit que c'est juste. Et enfin, même si ce n'est pas juste, en tout cas, mon corps me dit que ça laisse, ça pèse et je le vois. On le voit. Ok. Et ça donne beaucoup d'émotions, effectivement. Mais c'est une émotion, vous savez, quand vous êtes ému. Hein, voilà, c'est ça. C'est pas une émotion de tristesse, de découragement, de colère, etc. C'est comme quand vous êtes ému. Et donc, ça vient, vous vous laissez traverser par ça. Et c'est aussi un outil. Vous vous laissez traverser par ça.
Vous recevez ça avec gratitude et vous activez en fait la puissance et l'énergie que vous êtes. Alors, ça m'amène, et voilà, ça m'amène, ça c'est vraiment quelque chose qui, on commence, ça m'amène à vous parler de ce que normalement hier vous auriez dû recevoir le 23. Et je suis rentrée très très tard parce que j'ai fait des cadeaux, j'ai fait, enfin bon voilà, bref, c'était tellement tard que après j'ai dîné que bon, je n'ai pas fait ce live, j'ai dit je remets à demain. Et ce que j'avais donc en parlant d'activer et de vous laisser traverser, c'est que j'ai, pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, vous allez voir, j'ai vraiment eu un plaisir fou de créer cette plateforme que j'ai demandé. Peut-être elle existait avant que je la demande, mais en tout cas pour moi, elle n'existe pas. Et quand je l'ai demandé, je l'ai d'abord reçue, mais par un groupement. Et j'entendais comme quoi ce n'était pas ça encore, que qui était juste pour ma création. J'ai laissé tomber, etc. Et après, je me suis lancée dans cette création de la plateforme où je mets tous mes produits, tous mes services et où je vais être en communion avec vous, en communication avec vous, en connexion avec vous, si vous le choisissez. Et j'ai fait ma première newsletter pour vous amener les liens qui sont pour ça. Je vais arrêter de regarder en bas, vous êtes là. Donc, je sais que vous êtes là quand vous serez en replay. Donc, bienvenue. Je suis ravie que vous écoutiez ce live, ce dernier jour du calendrier de l'Avent de la conscience. Que c'est un challenge pour moi que j'ai lancé sur mes pages, sur mes groupes et sur ma chaîne YouTube. Et là, hier, donc, je suis quelqu'un qui reste toujours en connexion avec des tas de personnes à travers les réseaux sociaux. Et je voulais te parler des réseaux sociaux. Quels sont tous les points de vue que tu as sur les réseaux sociaux qui te privent de tout ce que tu peux être en vérité, avec tes dons, avec tes talents, avec ce que tu es, et qui, sans même que tu le saches encore maintenant, est une contribution pour les autres. C'est vraiment ce que ce challenge m'a conduit à être, et ça fait déjà 2 ans puisque j'ai ma chaîne YouTube. Je sais que de 2020 à 2021, les choses ne seront plus jamais les mêmes pour moi, et c'est ce que j'ai demandé. C'est exactement ce que j'ai demandé. Alors, active, c'est hier, ce que je voulais te dire, c'est que lorsque, effectivement, j'ai écouté, donc je ne me prive pas de ces réseaux sociaux, et si tu t'en prives, demande de quoi tu te prives encore de plus, qui peuvent être des parts de toi qui sont des dons, des talents, ou des parts des autres qui sont des dons, des talents qui peuvent t'accompagner, te contribuer. Car hier, j'ai beaucoup de plaisir à suivre certaines personnes, donc c'est pas régulier, c'est selon mes demandes aussi. Et hier, j'ai écouté un live d'une consoeur, moi j'aime bien dire consoeur parce qu'elle est facilitatrice certifiée, d'ailleurs, je t'invite, elle fait ses lives sur le groupe francophone Access, donc il y en a pas mal. Elle a parlé des mots. Et en ce moment, je parle beaucoup des mots, du poids des mots, de la vibration des mots. Et j'en parle beaucoup autour de moi, auprès de personnes qui ne sont pas du tout avec ces outils d'accès à la conscience. Et la vibration des mots. Et on sait ce que sont la sémantique. La sémantique, c'est vraiment la manière dont chaque personne va construire par les mots, de la manière dont il a été conditionné par les mots, le reflet
sémantique de son monde. Ce n'est pas du tout le reflet d'une syntaxe académique. Ce n'est pas du tout ça. Donc, l'application de la sémantique va te donner une carte psychologique des personnes par rapport à l'utilisation des mots. Et ils partent, de ce que je comprends, hein, je n'ai pas du tout étudié, je ne suis pas formée, je ne suis pas praticienne à la sémantique, je suis masterisée en programmation neurolinguistique. Il y a un lien, bien sûr, parce qu'on utilise les mots, non pas leur vibration, mais les mots, c'est-à-dire leur aspect cognitif pour recevoir la représentation du monde de l'autre. Et donc, en sémantique, on va plutôt s'orienter, semble-t-il, de ce que je perçois des personnes avec qui j'échange sur ça, on va plutôt s'orienter sur la syntaxe, sur la définition des mots, etc. On n'est pas du tout dans la vibration. On n'est pas du tout sur la vibration des mots. Et là, hier, on en discute, et c'est justement comment rentrer dans le monde de l'autre quand tu restes figé, et c'est bien, je parle bien de figé, fixé, sur la syntaxe, sur la sémantique, sur les aspects seulement cognitifs. Il y a des mondes qui ne sont pas totalement de cette manière-là. Il y a des mondes qui sont le monde de l'énergie. Et le monde de l'énergie est tellement spacieux, est tellement puissant, est tellement énergétique, est tellement vaste. On l'a oublié jusque-là. Je sais, je me rabâche, ce n'est pas la première fois que j'en parle, que hier, en écoutant la vibration du mot que cette personne utilisait, j'ai tout de suite connecté avec ce qu'elle disait. Et loin, il s'en faut, c'était très très clair pour moi. Si tu changes les mots, et ça on le sait en programmation neurolinguistique, on le sait aussi en sémantique, si tu changes de vocabulaire, tu vas changer tout ton monde. Tu vas changer tout ton fonctionnement. Alors, si tu es quelqu'un qui vibre, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'écoute et dans le recevoir énergétique des choses. Et plus tu vas t'ouvrir aussi à ça, si tu n'es pas une personne comme ça, plus tu vas recevoir non plus la sémantique des mots et la syntaxe des mots, leur définition, leur structure, leur forme, tu vas recevoir énergétiquement leur signification. Et elle sera... C'est une ouverture que tu as dans le recevoir le monde de l'autre. Donc là, je recevais exactement ce qu'elle avait, elle avait comme message à faire passer. Et donc, je vais le dire et le redire. Donc, c'est vraiment ce que nous recevons avec les outils d'accès à la conscience. Nous sommes dans l'activité. Nous sommes dans l'action. On active tout ce que l'on perçoit. On active les émotions, on active les jugements, on active les sentiments, on active les croyances limitantes ou pas limitantes. D'ailleurs, peu importe qu'elles soient limitantes ou pas limitantes, il y a des croyances identitaires, profondément identitaires, inconscientes, et il y a des croyances qui sont profondément conscientes, donc qui sont dans l'iceberg visible, conscients. Et ces croyances-là, identitaires, c'est les principes, c'est les préjugés, ce sont, t'appelles ça les prétextes, les devoirs, les valeurs, etc., etc., etc. Et là, quand tu rentres dans un monde de vibration, tu actives chaque mot, chaque émotion, et chaque mot qui sont dans chaque pensée que tu as, dans chaque pensée des autres que tu perçois, dans chaque pensée des autres qui te livrent. Tu es dans la vibration, dans l'action, et tu actives chaque sentiment, chaque émotion. Et qu'est-ce que c'est activer? C'est ce qu'elle
Vraiment, c'est ce qu'on vit et qu'elle arrivait très bien à traduire et que, qui était très claire. Et donc, je relate ici, tu actives le recevoir. Tu reçois chaque émotion, chaque pensée, de plus en plus, chaque sentiment, chaque jugement que tu as envers toi. Et si tu arrêtais de te juger, définitivement, comment serait ta vie? Chaque jugement que tu as envers toi, tu le reçois. Chaque jugement que les autres ont envers toi, tu le reçois. Et tu l'actives. Activer, c'est activer pour percevoir, recevoir, savoir comment ça te traverse. À la fois ce qu'on a traditionnellement l'habitude de dire l'esprit, mais aussi le corps. Comment ça te traverse? Qu'est-ce que ça fait remonter pour toi? Et de là, tu as la conscience, tu as accès à plus de conscience. Plus de conscience de savoir que ce qui remonte, ça peut être une émotion, une pensée, un autre jugement. Car un jugement, il y a 7, 10, 15, 7 jugements au moins derrière. Hein, un jugement cache plein d'autres jugements. Et ça fait remonter ça. Et ça te donne du choix. Quel choix? Ben, le choix de choisir si tu gardes, si tu élimines, tu dissous ça de ton espace énergétique et donc cognitif aussi, de toutes tes représentations du monde, ou si tu, donc tu lâches, que tu lâches, ou si tu sais d'où ça peut provenir, tu retournes ça à l'expéditeur et tu ne feras aucunement mal à ces expéditeurs, et même si tu ne sais pas. En fait, si ça t'appartient, en fait, la question, après, la question, c'est savoir est-ce que ça t'appartient, est-ce que ça fait remonter. Alors, prenons l'exemple. Justement, moi, je vais souvent, même quand j'ai des courses importantes, là, c'était le cas quand même, faire un bon petit repas. Et donc, j'ai été au marché, je suis allée au marché, et seulement, je ne savais pas tous les marchands, à part le fruit et légumes, ils se sont déplacés dans le centre-ville ce jour-là pour, alors qu'ils sont un petit peu plus excentrés de l'hypercentre, dans l'hypercentre pour avoir plus de monde pendant les fêtes, ce que je conçois. Hein. Seulement, voilà, il a fallu que je me redéplace et donc leur arrivant, j'étais là-bas avec plein de personnes. Et puis à la fin d'un marché, aux alentours de la fin du marché. Et donc, beaucoup plus de précipitation chez les personnes qui ont envie de rater les dernières ventes et les derniers produits, etc. Et donc, c'est toute cette précipitation qui, pour moi, est quelque chose qui est absolument encombrante. J'avais un point de vue auparavant quand j'étais beaucoup plus jeune, après ça c'est, j'ai cessé avec ça, j'avais un point de vue comme quoi j'étais justement limitée, comme quoi j'étais timide, comme quoi j'étais mal à l'aise, etc. Ça a fait beaucoup de jugements en moi, beaucoup de tort de moi, et donc je connais le chemin, je sais le chemin, je sais ce que ça a représenté comme effort, comme contrariété, comme frustration, car on n'y va pas en fait, hein, on ne va pas se faire plaisir quand c'est pas l'heure, il y a trop de monde, etc. On a plein de limitations. Et les outils d'accès à la conscience te permettent de, en fait, d'intégrer ça, de l'activer en toi. Et évidemment, au début, ça fait remonter des énergies qui sont à peu près les mêmes, celles que je t'ai décrites avant. Et ces énergies-là, est-ce que ça t'appartient ou ça ne t'appartient pas? Voilà, en fait. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça ne t'appartient pas? Eh bien, si ça t'appartient, tu le sens. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être très contractant dans ton corps, qui va être encore plus encombrant, hein, où tu vas être encore plus mal à l'aise, comme on dit. Et avec ça, tu peux choisir de lâcher. C'est-à-dire, tu peux saisir cette énergie-là, tu peux la faire traverser dans tout ton corps, et ça, c'est absolument indispensable, et tu peux la lâcher.
Lâche-la, lâche-la, par les pieds, par les mains, partout où tu veux, entre les jambes, partout où tu veux, mais lâche, lâche-la, lâche tout ça, lâche toutes ces énergies. Expérimente ça, lâche toutes ces énergies et expérimente ça. Et donc, moi, je le fais depuis 5 ans. Hein, depuis 5 ans, j'ai fait plein de choses comme ça. Il y a plein d'outils qui te permettent de faire encore des miracles, de la magie pour toi. Et je me suis rendu compte du changement aujourd'hui. Mais vraiment, j'étais absolument à ma place, comme on dit, à mon aise. Et j'ai conversé avec facilité, j'ai été regardée, j'ai pas été oubliée. Parce que voilà, tous les phénomènes comme quoi on te voit pas, tu as du mal à te faire entendre, mais ça, c'est des choses. Mais qui, à part moi, n'a pas vécu ça? J'entends tellement depuis 15 ans que j'ai ce cabinet ouvert de coaching, tellement de personnes, de magnifiques personnes qui ont souffert de ça, qui souffrent encore de ça, et qui ont mis tellement de jugements là-dessus, que vraiment, ce qu'elle nous a livré ici était vrai. Activez ça, ce qui se passe, c'est ne pas le rejeter. C'est ne pas t'aligner avec ça, et donc rester dans le jugement. Et c'est ne pas t'accorder avec ça, même si ce n'est pas ton point de vue, ça peut être le point de vue des autres, et à t'accorder avec ça du point de vue des autres, de ton point de vue, de ta considération, c'est aussi maintenir le jugement, maintenir l'émotion, maintenir la catégorisation dans laquelle tu vas être. Quand tu l'actives, tu es acteur. C'est ça. Et la sémantique, c'est pour ça que je te parle de sémantique. Tu es acteur, acte. Tu fais un acte d'activer en toi ce que ça fait remonter. Et peu importe ce que c'est, si c'est une pensée, si c'est une émotion, si c'est un sentiment, si c'est un jugement, si c'est une croyance. La dynamique des outils d'accès à la conscience, c'est que tu as le choix de saisir à quel point ça te contracte le corps. Et tu as le choix de choisir à ce que ça s'élimine énergétiquement. Tu n'as même pas besoin de savoir comment ça se passe, d'avoir une visualisation. Et si tu as une visualisation, c'est OK aussi de savoir en activant que ça s'élimine de ton corps, de ta mémoire cellulaire. Autant, en même temps que tu souffres. Alors, c'est exactement ça. Tu actives ça. Activer plutôt que de maintenir le jugement, plutôt que de maintenir. Activer pour sortir du jugement. C'est exactement ça. Donc, j'espère. Enfin, je ne dis pas ce que je vais faire, mais voilà, j'ai une idée dans l'esprit, peut-être que déjà tout le monde l'a aussi. En tout cas, oui, ça va être la big fish, bien sûr. Avec plein de schémas et tout, j'adore faire des schémas et tout. Bon, d'où la recherche, le recrutement hein, de collaborateurs ou collaboratrices activés. J'active ça, ce recrutement immédiat. Ok, voilà, bon, active. Soit dans l'action, soit acteur. Et toutes les choses qui vont s'éliminer dans ton espace auparavant, tu pouvais dire que tu étais à subir, à être victime ou à ne plus pouvoir faire comme autrement. Eh bien, active, reçois ça, ne rejette pas, ne collabore pas avec ça, ne t'aligne pas, collaborer c'est aligner, c'est t'accorder, ne t'accorde pas avec ça,
Reçois-le pour choisir qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que tu en fais, comment je suis avec ça, est-ce que je veux garder ça? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors oui, ce sont des outils qu'on apprend dans cette superbe première journée de à classe Access Bar. Ce sont des outils qui te sont facilités par des facilitateurs BAR, par des facilitateurs certifiés comme moi et moi-même. Et j'en fais une, tiens, dimanche le 27 décembre, j'en fais une limitée à 4 personnes en présentiel. Je crois qu'il y a 2 places, non, 4 places, elle dit encore, ça n'a pas été encore validé. Car effectivement, on fait tout au dernier moment, beaucoup, 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 et de plus en plus. Nous sommes dans l'air, dans un nouvel air, on est dans un nouveau paradigme, ça, je me permets et je le dis. Alors, allons maintenant à cet outil que je t'ai promis, qui n'est pas celui que je t'ai promis, mais qui est un autre outil. Ce sont les 5 étapes de la création. Vas-tu te permettre d'être cette magie-là et ce miracle-là? Les 5 étapes de la création. Je demande si c'est ici que les 5 étapes de la création peuvent être dévoilées. Oui, oui, les 5 étapes de la création pour la création, demande, demande. La première étape, c'est demande ce que tu désires. Hier, tiens, hier, lors d'une facilitation individuelle, quelque chose venait en conscience pour moi, pour cette personne, c'était pour elle, j'ai dit voilà. Et c'était de lui dire, est-ce que vous connaissez la mission? Et est-ce que vous connaissiez la vision de votre nouvelle route? Parce que voilà, elle avait une nouvelle route à prendre professionnellement. Et ben justement elle venait juste, tout s'inscrivait, se synchronisait, tout était synchrone pour elle. C'était des synchronicités successives. Elle venait d'écrire pour la première fois ce qu'elle désirait créer dans sa vie. Waouh ! Demande ce que tu désires. Écris-le comme tu le veux. Ne te censure pas. Ça, c'est la première étape. Okay. On est en 2021 bientôt, alors c'est le bon moment, ouais, je le sens. Quand tu relis et quand tu te redis, quand tu te reformules ce que tu demandes, ce que tu désires, tu captes comme une impression de l'énergie. Tu captes l'impression de l'énergie, de comment ce sera cet espace-là quand tu sauras là, dans ce que tu demandes. Et tu t'y mets, tu y plonges, tu roules dedans, tu surfes dedans, dans toute cette impression de l'énergie de ce que tu demandes. Super collaborateur, pas super, collaborateur, collaboratrice, phénoménal pour mon business qui contribue à mon business immédiatement. Ok, tu savoures ça, tu t'imprègnes de toute cette énergie de partout, de la tête aux pieds, jusqu'au petit bout de pied, petit doigt de pied. Tu y mets toute la gratitude, toute l'énergie de la joie,
de la gentillesse, de la bienveillance. Tu émets toutes les énergies que tu veux. Et après, maintenant, tu demandes l'aide de l'univers en t'engageant totalement à changer tout ce qu'il faut pour que ce que tu as demandé se présente, se manifeste. Tu demandes l'aide de l'univers, je demande l'aide de l'univers pour cette collaboratrice ou collaborateur phénoménal, immédiatement. Et je m'engage à changer tout ce qu'il faut pour ce que je demande se présente immédiatement, se manifeste immédiatement. Tu restes présent et alerte. Ce mot a une vibration légère, alerte. Tu restes présent et alerte quand tous les points de vue, les considérations fixes, solidifiées, qui entravent ton chemin pour avoir ce que tu demandes, commencent à se présenter. Quatrième action pour les cinq étapes. Tu restes présent et alerte à recevoir tous les points de vue fixes, solidifier tous les points de vue qui entravent ton chemin pour avoir ce que tu demandes, qui pourrait entraver et empêcher que cela se présente. Qu'est-ce que sont les points de vue? Les points de vue, ce sont les considérations, les pensées, les émotions, les jugements, les croyances, de toutes les valeurs, les objectifs, les souvenirs, ce sont tous les points de vue qui sont figés, solidifiés, cristallisés dans la mémoire cellulaire de ton corps, de ton cerveau, de tous les corps, au-delà de la limite de ton corps et de tout l'espace, de tout ce qui t'environne. Comment tu vas le reconnaître? Ça sera différent de l'énergie dans laquelle tu es quand tu es dans celle qui est en correspondance avec ce que tu demandes. Cinquièmement, tu utilises à ce moment-là tous les satanés. Et quand on dit satanés, c'est qu'ils nous détruisent, ils te font détruire, ils te font lâcher. Tous les outils pour changer tous ces points de vue, pour les transformer, pour les désolidifier, les dissoudre, afin que le changement puisse se produire. Cinq étapes. Tu demandes. Deuxième étape. Tu captes cette impression de l'énergie de ce que cela fait. Troisièmement, tu demandes l'aide de l'univers et tu t'engages à changer tout ce qui entrave le chemin pour que ce que tu as demandé se présente. Quatrièmement, tu restes présent à toi-même, en présence consciente et en alerte quand tous les points de vue qui t'appartiennent, qu'ils appartiennent à d'autres personnes ou qu'ils appartiennent à d'autres considérations, d'autres événements, qui entrave ce chemin pour avoir ce que tu demandes, commence à se présenter. Et quand on dit « commence à se présenter », tu l'entends sémantiquement. C'est que c'est comme ça, oui, ça se passe. Cinquièmement, tu utilises donc les satanés outils que tu apprends dès la première classe, Access Bar, donc la première classe, et après dans toutes les classes avancées et bien d'autres classes qui sont créées dans des domaines spécifiques où parfois il n'y a aucun prérequis sur les masterclass qu'il y a en Zoom
que moi-même je propose sur des. Tu utilises certains outils pour changer tous ces points de vue afin que le changement puisse se produire pour toi. Alors, si tu commences à utiliser ces 5 étapes pour la création, tu seras la personne qui corrige sa trajectoire, la personne qui fait de la magie, en te basant sur la conscience. Tu seras la création, l'acteur, le leader de ta vie. Tu seras la création que tu reçois tout et tout simplement. Et la création pour toi sera quelque chose de facile, de joyeux. Ça demande aucun effort. Tout ce qui va se manifester, se présenter, qui va te demander des efforts, waouh, dis-toi que ça a le gabarit, que ça a la teneur d'un point de vue. Et choisis de te rester engagé ou pas. Après, bien sûr, laisse-moi te dire que si tu demandes quelque chose qui, bien sûr, c'est bienveillant, c'est gentil, c'est pour l'humanité, c'est pour toi, c'est pour les autres, pour le monde, pour la terre, l'univers. C'est abondant, c'est riche, c'est luxueux, ça pétille, ça brille, ça illumine. Et donc, je te souhaite un joyeux Noël. Et je te le rappelle, je fais partie du mouvement depuis le mois de avril, de ce mouvement où tu n'es pas seul. Choisis, tu es libre. Je suis là, nous sommes là. Et donc, les réseaux sociaux, pour en revenir aux réseaux sociaux, partout où tu te limites par des points de vue, des considérations sur les réseaux sociaux, regarde en quoi ça te limite pour recevoir. Bye bye, et si, et je le souhaite, si cette vidéo te convient, tu peux faire des likes, tu peux commenter, tu peux faire des bye-bye, tu peux faire tout ce que tu as envie de commenter. Et bien sûr, je sais si les algorithmes de Facebook te permettent de le recevoir à temps. Il y a des fois des choses que moi-même je lis après 3 semaines. Donc, ça sera bienvenu, tes commentaires, tes likes, fais un coucou. En tout cas, je serai ravie. Et si un jour on se rencontre lors d'une classe, donc il y en a une en présentiel, donc Access Bar, dimanche 27 décembre, et du 28 au 31 décembre, oui, je vais participer à la préparation de Noël. Nous sommes, il y a beaucoup de familles comme ça, un peu plus réduites d'habitude, et je te le rappelle, ne reste pas seul. Et si les réseaux sociaux sont une contribution pour toi dans ces soirées-là, et que c'est un plaisir et que c'est une joie, ne le cache pas. Laisse-toi utiliser ça avec joie, avec plaisir, avec simplicité. Donc, cette classe fondation en ligne, c'est du 28 décembre au 31 décembre de 10h à 17h30. Si tu es en révision, voilà, tu me contactes. Sinon, tu me contactes aussi si tu n'as pas reçu la newsletter avec le lien pour t'y inscrire. Si pour toute question particulière, je suis à ton écoute par MP, donc sur Facebook, par mon site internet, bien sûr, Hypnose Coaching 17, avec des traits d'union, hypnose-coaching-17.fr, où tu as une page contact. Je me fais un plaisir de te répondre. Et vraiment, c'est une contribution pour moi. C'est vraiment
une joie, un plaisir, une organisation qui fait partie de ma contribution à la conscience. Bye, 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 bye. Et bon Noël. Est-ce que tu veux faire... Non, pas de Noël de la part de Mathilde, de mon fils.